Salut à tous, on en est dans le 18e épisode, on est au 18e épisode même. Ah, alors j'étais dans cette grotte des glaces, au pôle neige si je me souviens bien. Le but étant de délivrer les gens qui sont gelés. Alors je crois que je suis arrivé par là. Alors on va essayer à tout hasard par ici. Ça me rappelle la grotte des wagonnets là. Ah. Ce qui est un peu pénible avec ces monstres là, c'est qu'il faut changer d'arme à chaque fois. Donc bon, c'est pas très très drôle. Du coup. Ah, il y a un mur fissuré là-haut. Du coup, je les tue pas tous. En fait, il faut que je note quelle heure il est. Alors, donc je pourrais m'approcher là, là ou là. Oh là là. Tout ceci m'a l'air bien compliqué. Ok. Donc là, je suis revenu au début. Et je peux aller par là aussi éventuellement ? D'accord, donc c'est dans les deux sens. Où ça rame? Ah voilà, d'accord. Donc, allons chercher l'étoile. Hop, hop. Serait-ce la sortie? Apparemment oui. Donc ça veut dire que j'ai raté des choses. Donc je suis obligé d'aller par là. De toute façon je vais reprendre la chaîne vu qu'il faut que je m'accroche au poteau. Hein. C'est l'épreuve des poteaux. Hop. Alors. Donc il y a un premier. Ah. Raté. Raté. C'est génial. En plus, il y en a trois, alors je sais pas du tout sur lequel il faut aller en premier. Oups. Allons-y. Trop tard. Puis là, c'est trop loin. Ok. Je pense qu'il faut peut-être aller dans l'autre sens. Allez, je vais essayer dans l'autre sens. Toi, je t'aime pas. Ah, ça y est, j'ai réussi. Donc. Ah non. Ok, alors. Un petit coup d'étoile. Du coup, j'en profitais pour tuer ceux-là. Un escalier, d'accord. Et donc là, on revient ici. Ok, d'accord. Je suis déjà venu là, non?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fermé. Je suis complètement perdu. Parce que ça fait à peu près une semaine que j'avais pas joué. Alors qu'avant j'avais enregistré 7 épisodes à la suite. Et donc là, je comprends pas très bien. Parce que j'ai l'impression que tout ça j'ai déjà fait. Viens là, toi. Ah, ou alors j'étais venu de l'autre côté, là, à gauche, dans la partie gauche de la pièce. Et je pouvais pas atteindre la partie haute et la partie droite. C'est peut-être ça. Il faut que je fasse très attention alors. Non, j'ai déjà fait ça. Oh, c'est reparti, trop d'objets. Ah d'accord, super bug. Ah, je suis coincé. Oui, bah je sais, j'ai trop d'objets. Oh non! Comment je peux faire? Ok. Si je sauvegarde l'état avec l'émulateur, ça va pas m'aider du tout. Donc j'ai plus qu'à recommencer à ma dernière vraie sauvegarde. Parce que là, j'essaye d'utiliser l'arme, j'ai même pas le temps. L'objet, j'ai même pas le temps, et de toute façon, c'est une clé, donc ça servira à rien. J'arrive quand même à me tourner. Mais j'arrive pas à marcher. Donc je suis condamné. Ok. On va redémarrer le jeu. Comment on fait pour redémarrer le jeu? Je sais même pas. Échappe. C'est une solution. Bon, c'est génial, je suis revenu ici. Alors, je vais revenir un peu en arrière, puisque je vous disais, je suis perdu dans cette caverne. Toi, laisse-moi passer. Voilà, donc je suis déjà venu ici, j'avais bien dit. Là, pareil, c'est du déjà vu. Et donc, pourquoi j'étais jamais allé par là, alors? Ah, j'aurais utilisé la clé qui était toute seule, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça veut dire qu'on a donc deux moyens de venir... dans ce coin-là. Bon, bah pourquoi pas. Du coup, je vois pas très bien l'intérêt de cette énigme. Mais bon. Et puis la musique est un petit peu fatigante quand même. C'est pas la meilleure musique du jeu, à mon avis. Dans ce jeu, il y a des super musiques, vraiment, vraiment excellentes, inoubliables. Et puis à côté, il y a des musiques très moyennes. Allez, la suite, logiquement, c'est par là. Je sauvegarde un petit coup, hop. Tiens donc. Ah cool. Une fontaine des fées. Bon alors on a trois issues possibles, par où on va commencer? Alors déjà,
J'ai trop d'objets, bien sûr. Mince. Je voudrais me débarrasser du blizzard, là. Hop, poubelle. Songe, poubelle. Génial. Ok. X et terre. Ça c'est mieux, mais c'est vrai que j'en ai déjà plein. On va dire qu'on ira voir là après, hein, ok. C'est vraiment un vrai labyrinthe. C'est de pire en pire les labyrinthes. Je prends pas, c'est un songe. Oups, je suis obligé. Non, je suis pas obligé. Ah bah je l'ai utilisé, tiens. Pourquoi pas. Alors, ensuite, si on allait voir par là... Ça ressemble à une impasse. Un sac d'or, cool. Et enfin, par ici... Tiens toi, goûte à mon étoile. Alors, ça y est. Ah. Quel suspense. C'est idiot ces deux clés quand même là. Enfin bon. Élixir. Encore un truc que je sais pas ce que c'est. Mais bon, au nom de Élixir, on en dirait quand même que c'est quelque chose de précieux. Et donc, c'était là la suite. Oups. Ah non, là-haut c'était la fontaine. Là-haut c'était la fontaine des fées. Donc la suite c'est là. Éther, j'en ai trop. Voilà. C'était sûr. Fermé. Bon, bah on va se débarrasser d'une de nos clés. Voilà. Ça va faire un tout petit peu plus de place dans l'inventaire. Aïe. Ouh. D'habitude, quand on arrive dans un endroit comme ça, c'est juste avant les boss. D'habitude. Mais pas là. Aïe, aïe, aïe. C'est pénible parce que là j'ai pas d'arme qui puisse tuer les deux sortes d'ennemis en même temps. Ou alors j'ai raté quelque chose. Ah, je suppose qu'il va falloir utiliser la chaîne. Oh, ça va encore être une histoire de bonhomme de neige. Oh non. Ça va être dur. Aïe, 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 aïe. Pétrifié. C'est bien, je suis pétrifié, mais en même temps, je suis... je peux pas m'arrêter. Bon. Alors, magie du soin. Ah, alors, quand j'appuie là, il y a des dalles qui disparaissent. Ça, c'est cool. Mais après, faudrait m'arranger pour faire un bonhomme de neige. Donc, magie du gel. Raté. Ah, je peux la contrôler. Je peux contrôler le glaçon. Eh, mais ils sont insensibles à la magie du gel? Ah. Ok, ils sont insensibles à la magie du gel.
Et eux? Et eux, ça marche, ok. Si on en faisait un deuxième pour être sûr. Tac. Sauf que là, je vais les péter, les machins. Ça me plaît pas du tout. Ah. Bon, j'ai bien fait d'en faire deux. Alors, magie du soin. Hop. Ensuite, l'étoile pour se débarrasser de ce truc-là. Oh non, ah non, ça va. Ok. Donc, cher bonhomme de neige, comment on va pouvoir faire? Si on fait comme ça... Ah bah non, c'est pas bon. Je suis bête. Mais est-ce que moi je peux aller là, par contre? Ah oui, voilà, il n'y a pas besoin de faire de bonhomme de neige. J'ai cherché un peu plus compliqué que ça ne l'était. Il n'y a rien ici. On continue. Et donc pour ça, je crois qu'il faut utiliser la hache. Flamme, je m'en fiche. Et la hache. Oh non, pas encore une salle comme ça. On est reparti. Je vais prendre la chaîne tout de suite parce qu'à mon avis, il y en aura besoin. Ok, c'est intéressant. Oula. Tiens là. Bon allez, tant pis pour lui, je l'épargne. Tant mieux pour lui en fait. Ah! Ah bon, d'accord. Alors, résistance, force, sagesse, volonté. Un petit coup de force pour commencer. Ah, je sauvegarde. Je suis dans le noir, mais c'est pas grave, je sauvegarde. Fermé. Bon, j'irai voir après. Ah. Non, j'ai raté mon coup. Ah ah. D'accord. Deuxième tentative. Eh, mais pourquoi ça n'a pas marché? Je suis trop loin maintenant. Bon, dans ces cas-là, je vais essayer d'atteindre celui du haut. Voilà. Et là, exactement, il y a un mur fissuré. Oups. Équipement. Étoile. Je parie que c'est encore la suite. Gagné, c'est la suite. Alors, on va d'abord aller ouvrir la porte verrouillée qui était par là-bas. Objet. Clé. Ah ok, c'était juste une fontaine encore. Bon ben, très bien. On va recommencer ça. Aïe! Viens là, toi. Où est-ce que tu te caches?
Alors, est-ce que ce serait le boss cette fois-ci? Toujours pas de boss. Bon, c'est encore long cette caverne. C'est bizarre les salles comme ça où il n'y a rien du tout. C'est louche. Allons voir par là. C'est rigolo ce petit passage là. Serait-ce le boss? C'est le boss! Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme arme? Donc vu qu'il me jette des glaçons, ça aurait pu être la lance de flamme, mais apparemment non. On va essayer... alors j'ai quoi déjà? L'étoile, l'épée de sang, la hache... Ah bah non, j'ai gardé la flamme. On va essayer l'étoile. Raté, raté. Ça marche pas du tout. Ah si, ça marche un petit peu, mais il faut lui viser la tête. Ah c'est ça, oui. Donc quand on est au nord de lui, c'est facile. Ouais, en plus il me fait pas très mal, donc ça va. Honnêtement, il est moins pire que celui de l'autre, le dernier que j'ai battu là dans la caverne près du désert. Viens là. Il faut vraiment rester au-dessus de lui en fait. Ça y est! Tu as battu Kari. Tu as l'épée de glace. Sympa. Donc tout ça juste pour une épée? Peut-être que ça n'avait en fait aucun rapport avec les gens qui sont gelés. Les gens qui sont gelés dans je sais plus quel village. Ah bah super l'épée de glace, ça ne tue même pas les bonhommes de neige. C'est normal, c'est de la glace. Mais bon. Allez, je sauvegarde. Et on continuera à explorer le monde, le nouveau monde, dans le prochain épisode. Salut!